Wesh les rey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MW3 dans laquelle on va parler du longbow sniper semi-automatique. Dans cette vidéo, on va analyser les statistiques de l'arme et on verra la meilleure classe à équiper pour mettre des petites fessées à ses adversaires. On commence avec les statistiques de dégâts et de portée. Le longbow va one-shot dans la tête, le torse et les épaules. Ce qui est plutôt décevant parce que les dégâts sont plutôt limités. Mais ça reste logique et cohérent puisqu'il s'agit d'un sniper semi-automatique. En plus de ça, on a une portée limitée à 21 mètres et au-dessus de cette distance, on va one-shot uniquement dans la tête. Les dégâts ne sont pas incroyables, mais il faut les juger par rapport à la cadence de tir. Et celle-ci est de 124 balles par minute. Cela signifie que le délai entre chaque balle est de 484 millisecondes et on peut arrondir et considérer qu'on va tirer 2 balles par seconde. La comparaison avec le KV Inhibitor me semble plus que logique puisque ces deux armes fonctionnent de manière équivalente et le longbow a moins de dégâts et un tout petit peu de cadence de tir en moins, ce qui est évidemment très décevant. Et ce sont deux statistiques très importantes pour un sniper. On enchaîne avec la mobilité. Le temps de visée est de 396 millisecondes. Donc là, c'est plutôt rapide. Donc ça fait plaisir. On a un temps de sortie de sprint de 146 millisecondes. Donc ça, c'est très bien pour les noscopes. Et la vitesse de marche en visant est de 3,2 mètres par seconde. C'est également une bonne statistique. Et de toute évidence, le longbow, c'est le sniper qui a les meilleures statistiques de mobilité. On enchaîne avec la capacité chargeur parce qu'on a 30 munitions. Donc oui, on a énormément, c'est même beaucoup trop, mais on ne va pas s'en plaindre. Et on a un temps de rechargement plutôt rapide puisqu'il est à 2,5 secondes. Maintenant qu'on a analysé les différentes statistiques, on va voir la meilleure classe à équiper. On a tout d'abord le canon silencieux tac brut, l'accessoire canon garde-main DR6, la lunette déflecteur ardoise, la crosse qui s'appelle pas de crosse, et enfin la culasse verrou rapide. Je précise que la classe que je viens de présenter est surtout adaptée pour du gameplay pour Shipment. Alors pourquoi jouer sur cette map là? Tout simplement parce que sur les maps standards, je me suis fait éclater. Entre les hitmarkers, les campeurs, etc., j'ai galéré. Le mieux que j'ai réussi à faire, c'était de claquer un drone. Et encore, j'ai mis, je crois, une minute pour le faire tellement ça campait. Ensuite, il y a eu Shipment 2 disponible. Et je me suis dit, ça peut pas être pire que ce que c'est déjà. Et je me dis aussi que je peux éventuellement profiter de l'aléatoire. Étant donné que sur cette map, les spawns, c'est n'importe quoi. Tu peux spawn dans le viseur d'un adversaire, dans son dos, peu importe. Donc je me suis dit que j'allais essayer de profiter de ce système, même si dans l'énorme majorité des situations, je spawn dans le viseur des adversaires et les adversaires spawnent dans mon dos, et génial. Mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Une des raisons, c'est que j'ai réadapté ma classe pour qu'elle soit vraiment optimisée pour cette map-là, et également parce que je spammais le bouton tirer comme un gros porc, et je jouais comme si j'avais un fusil coup par coup plutôt qu'un sniper. Concernant les accessoires importants, on a la lunette réflecteur ardoise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lunette de base est très bien, mais avoir une petite lunette, c'est beaucoup plus adapté pour Shipment. Et il n'y avait pas de meilleure petite lunette, je pense notamment au viseur M4O qui n'est pas disponible pour cette arme. Sur les maps standards, on peut éventuellement remplacer la lunette par le chargeur de 10. Ça permet d'avoir la lunette d'origine qui est excellente et en plus de ça, certes, ça réduit la capacité chargeur, mais ça permet de booster la mobilité. La culasse va permettre d'améliorer la cadence de tir parce que sans cet accessoire, je trouve que c'est beaucoup trop lent. Le canon permet non seulement d'être silencieux, mais également d'améliorer la mobilité. Et enfin, on a l'accessoire canon ainsi que la crosse et ces deux accessoires vont améliorer le temps de viser. Et je vais vous partager mon avis sur le longbow. Déjà, je considère que c'est le pire sniper, du moins en prenant en compte uniquement ceux qui sont exclusifs à MW3 puisque je n'ai pas retesté les snipers de MW2.
Et la principale raison, ce sont les dégâts médiocres de l'arme. Je fais full hitmarker et c'est trop chiant. Heureusement qu'il y a Shipment, ce qui me permet de spammer comme un gros porc, mais sinon c'est une arme avec laquelle je galère énormément. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous dis bisous bisous!